Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, on va utiliser un programme qui va nous faire apprendre des cadres, comment faire des jolis cadres. Ce programme s'appelle Picture Collage Maker Pro. Alors, on va l'ouvrir d'abord. Voilà, on va faire un nouveau projet, créer un collage vite. Voilà. On va mettre le DPI, le DPI, la résolution maximale c'est 600. On va mettre le maximum. Et ici, on va mettre des dimensions qui sont surtout valables pour l'Instagram. Parce que j'ai eu l'idée de faire des cadres pour mes photos dans l'history d'Instagram. Alors, j'ai remarqué que plusieurs abonnés ont aimé cela. Alors, j'ai voulu vous apprendre ce que j'ai appris. Alors, la dimension, la largeur, c'est 1080 pixels. La hauteur, c'est 1350. Voilà. C'est ce programme-là. Je vais agrandir un peu. Voilà. Alors, ce programme, il y a entre parenthèses, il contient plusieurs thèmes. Vous pouvez faire des thèmes. Ce programme, on peut l'utiliser pour les collages. Si vous avez un groupe de Facebook, par exemple, ou des collages pour vos photos. Pour moi, je vais vous apprendre comment faire un cadre. En fin de compte, ce n'est pas un cadre, mais mettre une photo, avec des dimensions précises. Alors, on va aller à importer la photo. Voilà, photo. Photo, ma photo, elle est sur le bureau. Je vais cliquer sur le bureau. Voilà cette photo-là. Je vais l'importer en appuyant sur la souris. Il y a ici, vous remarquez qu'il y a un cadre pour la photo. Je dois enlever ce cadre-là. Alors ici, effacer le cadre. Pour l'ombre, je vais le laisser, ok? Mais je vais oublier que j'ai cette photo-là, mais juste je vais d'abord la mettre dans cette page blanche comme je le veux. Voilà, c'est comme ça que je le veux. Alors maintenant, je dois avec ce point-là, lorsque la main sera visible, alors vous pouvez déplacer la photo et la position de la photo. Moi, je vais prendre cette position-là, ou plutôt peut-être celle-là, c'est mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de faire un petit titre en bas. Alors, je vais aller à collage et ajouter un texte. Ajouter un texte. Je vais vous montrer. Moi, j'ai choisi ce texte-là, Thundergood. Hein. Il y a des sites qui présentent des sites qui présentent des fentes, des sortes de textes que vous pouvez les installer dans votre Windows. C'est très facile à faire. Moi, j'ai installé
ce texte-là ou cette écriture-là, alors je reviens ici et je vais chercher ce tender good. Alors, TH, voilà, c'est celui-là, tender good. Je vais écrire juste une petite note, le titre de celui-là. Alors, Hammamet, Tunisie. Tunisie. Je vais prendre ce titre-là et je vais le mettre ici. Et juste, je vais faire un petit filigrane pour ma photo. Juste mon nom. Hein. Alors, la même chose. Je vais aller à texte. Mais je vais écrire avec une écriture simple. Hein. Simple, par exemple, Taoma. Alors, Ahmed. Et je vais chercher le comment s'appelle C copyright voilà je vais peut-être l'écrire ici mieux copyright voilà alors je vais le mettre avec du blanc et essayer de trouver une écriture qui n'est pas trop grande. Hein. Je vais voir ça. Voilà, par exemple. Hein. Et je vais encore diminuer. Voilà, je vais le mettre ici, par exemple. Notre photo elle est finie. Alors, ici, on va aller à Fichier et on va. Si on veut cette maquette-là, on va la sauver et lui donner un nom. Sinon, pour cette photo-là, la photo du sunrise, de lever du soleil, on va l'enregistrer. Voilà, et il faut mettre le type de format JPG. Et choisir un préfixe, par exemple IMG, hein, et le lieu, la destination, le bureau, et vous allez mettre OK, tout simplement. Si vous allez au bureau, vous allez trouver votre photo. Voilà, votre photo, elle est déjà prête. Et vous pouvez la publier sur dans Story d'Instagram. Voilà pour aujourd'hui et à bientôt.